Salut à tous, donc aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour vous présenter un nouvel objet que je viens d'acquérir et que je trouve sublime. Donc c'est le Quidditch set de Running Press. Voilà, comme vous pouvez le voir, un très très beau coffret. Donc, il fait de longueur 23 cm, de hauteur 12 et de profondeur 11. Donc, au-dessus, on voit qu'il y a écrit Harry Potter Collectible Quidditch Set with Poster. Donc, le design reprend celui de la malle qu'il transporte dans Harry Potter à l'école des sorciers. Harry et Olivier, quand ils se rendent au terrain pour expliquer en quoi consiste le Quidditch. Donc, là, on a les blasons des 4 maisons. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard. Voilà. Et en dessous, on a donc le descriptif de ce que ça contient. Donc là, on a une petite encoche pour appuyer et ouvrir. Hop. Et voilà comment que ça se présente quand on ouvre. Donc là, on a le design de ce qu'il y a dans Harry Potter à l'école des sorciers. Là, on a le vif d'or qu'on ne peut pas sortir. Hein. Bon, ça, c'était indiqué. Ici, donc une petite protection qu'on peut enlever. Et là, on a les balles. Donc le soif. Ici, on va enlever. Hop. Le soif. Très très beau et très très lourd. Oui. Si je cogne avec le cogneur, sans que c'est pas du plastique. Hein. Donc là, on a deux petites clés pour fermer la serrure qui se trouve ici. Et donc les cognards. Très très beau. Là, le deuxième. Vous voyez. Pas du plastique. Et donc après on peut enlever ça. Et donc quand on enlève le socle, il y a les balles, en dessous on a un poster. Donc on la boîte, hein, il est vert comme le reste. Donc voici à quoi ressemble le poster. Arrivé sur son balai tout en haut. Le logo Harry Potter, Quidditch, le logo de Poudlard et en dessous le château avec les tribunes de Quidditch écrit Harry Potter. Donc voilà, moi qui suis fan de Quidditch, je suis très très content d'avoir en ma possession cet objet que je trouve vraiment superbe et splendide. Donc il a coûté entre 25 et 30 euros sur Amazon. Et donc franchement ça vaut son prix, c'est contrairement aux autres running press, autres objets comme le médaillon, le retourneur de temps qui font très très factice et très très plastique. Celui-ci je suis vraiment vraiment mais pas déçu. Les balles sont très bien faites, le design est très bien respecté. Donc je vous le conseille si vous, vous voulez vous acheter un objet en rapport avec le Quidditch. Voilà, donc c'est ici que se termine ma vidéo. Je vous dis tous à très bientôt et en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salut!